Salut à tous, alors oui, vous avez bien lu, cette vidéo est très importante puisque Sucreroux, c'est fini. Voilà, je l'annonce parce que je change de nom, voilà. Désolée, c'est pas vraiment un titre putaclic parce que c'est vrai, mais comme c'est quand même une information assez importante, qui a des écoulées, je sais pas comment on dit, des répercussions, voilà, je voudrais qu'un maximum de personnes voient cette vidéo pour qu'ils comprennent pourquoi dans quelques jours ils vont se dire mais c'est qui ça que je ne connais pas, ce pseudo? Et donc, je vais pas vous faire tarder plus longtemps, mon nouveau nom, donc mon nouveau nom d'artiste, de créatrice, etc., mon nouveau nom pro, c'est Louveline. Donc, écrit comme ceci, avec un Y à la fin. Alors, c'est un nom que j'ai déjà choisi, ça fait déjà 6 mois que je l'ai trouvé. J'ai bien eu le temps d'y réfléchir, j'ai aussi réfléchi pas mal de fois sur l'orthographe. De base, je voulais l'écrire avec un I. Et puis, il y a juste, si tu passes par là, merci de ton idée qui m'a dit que c'était mieux avec un Y. Et puis, j'ai hésité à mettre E à la fin, deux N, un seul N, mais j'avais peur qu'avec un seul N ça fasse Louv, que les gens le lisent Louvelin et c'est pas le but. Et du coup voilà, Louveline. Alors déjà Lou parce que, enfin Lou c'est Louise, je m'appelle Louise, c'est mon prénom, et Lou c'est mon surnom. Et en plus de ça, bah Lou, Louve, c'est mon animal préféré depuis que je suis toute petite, voilà, enfin j'en ai là, j'en porte. J'adore les loups, on pense que mon animal préféré c'est renard, d'ailleurs il y en a un là, mais mon vrai animal totem depuis que je suis toute petite c'est le loup. J'aime ça depuis que je suis bébé, j'ai plein de livres de tous les âges sur les loups. Donc voilà, c'est vraiment mon animal fétiche, le loup, qui a une fin symbolique pour moi. Et du coup voilà, Louveline, le line à la fin, je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça joli, je trouvais ça poétique. Et puis ça fait un peu comme Pauline, voilà, ma meilleure amie, je sais pas, ça fait le in, je trouve ça joli, je trouve que ça rajoute quelque chose à la fin parce que sinon juste loup c'était voilà. Et du coup voilà, Louveline. Et du coup, pour l'occasion, j'ai aussi forcément créé un nouveau logo qui se trouve ici. Donc, c'est mon logo. Donc, j'ai mis plusieurs. Enfin, il m'a vraiment fallu du temps pour le travailler, pour le réfléchir. J'ai fait plein d'essais de colorisation, plein d'essais de typo pour le nom aussi. Plein d'essais de motifs à l'intérieur. Donc voilà. Une lune, parce que c'est un motif que j'aime beaucoup. Vous en voyez, j'en ai une là. Enfin, voilà, c'est toute la présentation ésotérique. Les fleurs aussi pour la nature, tout ce qui est, voilà, naturel, la féerie, le voilà, la nature, enfin voilà, ce logo je trouve qu'il me représente assez bien. Donnez-moi votre avis si vous trouvez que c'est qui me va bien et que ça correspond bien à mon univers. Je trouve que oui. Mon ancien logo, il était très très cool, elle avait été dessinée par Myriam. C'était une personne qui était avec moi au lycée, qui se débrouille très très bien et qu'elle avait gagné un concours, et du coup elle avait fait un super logo. Mais voilà, ça me correspond plus, et le nom Sucreroux me correspond plus non plus. C'est un nom que j'ai choisi il y a presque 10 ans maintenant, bon peut-être pas 10 ans, j'exagère, mais au moins 8 ans c'est sûr, et ça me correspond plus vraiment parce que déjà je fais plus du tout de gourmandise, bon vous le savez, vous l'avez remarqué, j'aime toujours ça, peut-être que je le referai un jour, mais en miniature vraiment pas, en bijoux c'est vraiment pas, c'est plus ce que je porte, donc en fait je fais ce que je pourrais porter, c'est très simple, voilà. Mais du coup là, Sucreroux ça ne me correspondait plus, même si bon, je suis toujours rousse et ça ne changera jamais, c'est vraiment un truc qui est, ça me regarde d'ailleurs, voilà, j'ai les cheveux lissés si vous voulez voir l'ampleur du bordel, ça n'a rien à voir, mais voilà. Je sais que c'est peut-être que plusieurs d'entre vous vont être déçus parce que c'est comme ça qu'ils m'ont, enfin tout le monde m'a connu comme ça, je dis ça, mais voilà, tout le monde m'a connu comme ça, hein, y a personne qui m'a connu autrement que sous le nom de Sucreroux, à part si vous me connaissez dans la vraie vie. Mais voilà, et du coup, voilà, je change de nom, et donc du coup forcément ma chaîne YouTube va changer de nom. Mon adresse mail, il va y en avoir une nouvelle aussi, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Bon, ce sera souvent un truc genre Louveline d'art quelque chose. Mon Instagram va changer et tout, en sachant que ça va pas changer le jour même. Aujourd'hui on est le 1er janvier, et du coup ça va changer dans quelques temps. Et pourquoi je change de nom aussi, déjà ça ne me correspond plus, et surtout je change de vie. Je change de vie, et 2019, j'ai décidé que 2019 ce serait mon année. J'ai eu plein de merde l'année dernière, j'ai dû m'arriver plein de trucs à la con, et là j'ai une nouvelle vie. Et je recommence tout, et je repars pas à zéro parce que voilà, c'est sur de bonnes bases, mais 2019, c'est mon année. C'est l'année moi, c'est l'année anciennement Sucreroux, c'est l'année Louveline, c'est l'année où je veux vraiment mettre le paquet sur mon auto-entreprise pour réussir à essayer d'en vivre et que ce soit voilà mon gagne-pain, ma vie, mon quotidien de tous les jours, puisque ça prend tellement de place dans ma vie que je veux vraiment que ce soit mon année. Et du coup, voilà, nouveau nom, nouveau, enfin pas nouveau projet, mes projets restent les mêmes. J'ai vraiment poussé un maximum cette année pour essayer de me développer, pour pouvoir en faire mon métier à plein temps et ne pas avoir être obligée d'avoir un boulot à côté. Et donc voilà, j'espère que vous me soutenez dans cette aventure-là, que vous serez nombreux à voilà, partager mes créations, m'aider, me soutenir, avec même des petits mots gentils, vos j'aime, vos likes, etc. Tout ça, c'est toujours, voilà, des messages toujours hyper gentils que je reçois, et évidemment
Aussi, hein, si jamais, voilà, si vous aimez mes créations, bah, que vous en achetez pour vous, que vous en achetez pour les autres, que voilà, toutes ces choses-là, que vous m'aidiez. Je vais mettre en place pas mal de choses cette année. Notamment, je vais travailler sur du design textile, je suis en train de faire une formation en ligne, et je voudrais vous proposer des vêtements et des choses comme ça, designées avec des motifs textiles que j'aurais fait en fait. Et donc du coup, voilà, ça va venir dans l'année tout doucement, parce que je suis en train de me former à ça depuis quelques temps. Et voilà, tout un encore rajout de nouvelles choses pour étoffer cet univers et étoffer ce pack Louveline en fait, où il y a à la fois voilà, de la fimo, prochainement des bijoux en part d'argent, du cuir, de la broderie, des bijoux en résine, de la couture, du costume, voilà. C'est le pack, voilà, c'est le pack, c'est moi. Et du coup, voilà, je voudrais vous proposer toujours plus de choses parce que j'aime tout, parce que je veux tout vous faire et que j'ai envie de me diversifier parce que j'aime tout à la fois et que j'ai envie de tout faire à la fois. Donc voilà, l'illustration, etc. Donc voilà, je ne fais pas plus de blabla parce que c'est déjà cette vidéo est déjà longue et l'important, voilà, c'est que vous l'avez compris. Mon nouveau nom, c'est Louveline. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez un jour ce nom arriver et vous n'avez pas qui c'est. Bah du coup maintenant vous saurez que c'est moi. J'espère que ça vous plaît. De toute façon, voilà, moi j'aime beaucoup. Ça fait déjà 6 mois que c'est réfléchi et que j'ai décidé et tout. J'en ai parlé à très 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 peu de personnes. Genre je pense que ça se compte sur le doigt d'une main clairement. Et du coup voilà, maintenant vous êtes tous au courant, en tout cas tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc voilà, faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi si ce nouveau nom vous plaît, dites-moi si vous trouvez que ça me correspond bien, si vous aimez mon logo, etc. Et si vous êtes prêts à me suivre dans cette folle aventure créative que sera 2019. Je vous fais des bisous.